sais pourquoi je suis là? Vous êtes là pour savourer votre victoire. J'ai osé dire que vous aviez corrompu le droit, confisqué la justice, jugulé la liberté. En Napoléon rapporte, c'est d'abord une pièce de Soisic Moreau. C'est l'histoire de deux hommes, deux amis généraux, Napoléon et Jean-Victor Moreau. Et dire que c'est à ce moment-là que nous entrons ensemble dans l'histoire. Je ne saisis pas. La pièce intervient au moment où Jean-Victor Moreau a été incarcéré par Napoléon. Et Napoléon vient le retrouver en prison pour lui proposer de le rejoindre. Voilà, il serait ravi de le récupérer dans ses équipes, si j'ose dire. C'est ça, dans ses équipes, on va dire ça comme ça. Il est vrai que vous faisiez beaucoup pour endormir ma clairvoyance, ces dîners amicaux chez vous. Tu t'es fait pige-gruger. Je n'ai jamais été d'aucun complot. J'ai mis trop de temps à comprendre que les victoires de mon armée du Rhin vous faisaient de l'ombre. Que vous ne supportiez pas mon indépendance. Mais quel entêté! J'ai applaudi à tes campagnes! Comment osez-vous parler ainsi d'un homme que vous avez abandonné en Égypte? Ils n'arrivent pas à se détester, ces deux mecs-là. Ils ont vraiment eu les mêmes envies, la même façon d'avancer dans la vie. Nous n'irons nulle part dans l'énervement. C'est plein de passion, mais voilà, c'est avant tout des militaires, des soldats, donc c'est profondément rigoureux et on ne montre rien. Si tu avais la tête plus politique, nous ferions de grandes choses à nous deux. Si j'accepte la collaboration, je suis à votre merci. Rendu inoffensif par votre clémence. Est-ce que Moreau va le suivre ou pas? C'est vraiment un jeu d'échecs. Je mets mon pion là, tu mets ton pion là. Ok, comment on joue? Donne-moi la main, général.